Aujourd'hui, je vais enfin finalement passer de Platine 3 à Unreal, mais pas n'importe comment, vous allez voir. Je vais utiliser plusieurs stratégies et astuces incroyables, voire même inconnues, et on commence directement avec la première qui consiste tout simplement à se faire passer pour un bot. Alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour voir si ces strats ont marché. Je me suis skippé d'un petit skin différent, car j'ai prévu de remplacer le bot Newsclay. Regardez, il est juste ici. Par contre, je vois que je suis pas seul, donc va falloir qu'on se grouille un peu. Il y a déjà deux gars au spawn. Oh là 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 là. Ok, je prends le petit truc de Flobé. Vous allez voir que ça va être utile plus tard dans la vidéo. Et là, il y a un gars. Meurt, voilà. La strat consiste simplement à le tuer comme je le fais là, regardez, avec le petit laser. Hop, hop, voilà. Et maintenant je dois mimer ses actions. Donc en gros concrètement, si le bot Newsky il avance, je dois avancer. Et s'il s'arrête, je dois m'arrêter. Oh, y'a un gars, y'a un gars. Ok, allez, il m'a vu par contre, il m'a vu bouger donc. Oh mort, let's go, voilà. Ok, bon le bot il a bougé, mais c'est pas grave, on se replace bien sur lui, voilà. C'est le seul défaut de cette technique, c'est qu'en gros, il faut avoir le skin du bot. Et donc il faut l'acheter. Je suis bien chill, j'ai fait mon petit kill. Franchement, on est très très bien. Oh, y'a un gars, j'entends un gars, Non, je ne fais qu'un avec Newsky, je suis Newsky. C'est pas que je suis là. Il y a eu un gros bordel ici, mais tu sais pas à quoi c'est dû. Il est là, il est derrière la fenêtre. Juste ici à gauche, je peux même pas bouger la tête les gars. Je crois qu'il se doute de quelque chose, je suis pas sûr. Dès qu'il s'approche de moi, je le fous droit, c'est bon. Y'a un gars, il m'a pas vu. Oh, il m'avait pas vu. Meurs, voilà. Là par contre y'a un gars, il va falloir que je décale très très vite. Par contre la strat elle a marché à la perfection sur le gars hein. Il s'est pas douté que j'étais réel. Je crois qu'il est planqué dans la maison, il veut pas sortir. Par contre y'a un gars juste ici. Après je me dis qu'on peut tenter le kill sur lui. Ah, je sais pas où il est hein. Ils veulent pas se montrer, il est là, regardez. Ok, 116. Ah bouge. Regardez, il est derrière là, après il veut pas bouger. En vrai je peux le rusher hein. M'en fous hein. Parti. Héros, meurs. Ah il se barre. J'ai au moins lâché une belle balle. Je suis content. On est top 22, 4 kills. Là, je vais déjà prendre un max de pourcentage. Bon, on espère que le gars qui était dans la maison il s'est barré. Comme ça, je pourrais reprendre la place de Miuskli. Surtout qu'on est dans la zone. En vrai, on est très très bien passé. Hein. Et même le médaillon qui s'approche de nous. Donc, je me dis, on va peut-être pouvoir avoir le médaillon. Qu'est-ce qu'il nous fait de Miuskli? Regardez comment il avance. Vas-y, on va prendre sa place. De retour sur le petit Miuskli. Bouge pas, mon pote. Je suis là. Non, les gars, je pensais pas que la première strat allait aussi bien marcher. C'est une dinguerie. Par contre, les gars, j'ai un peu peur de la suite parce qu'il y a le médaillon qui s'approche vraiment très fortement. Il y a même un gars sur le train. Mais au moins, le train il se barre, donc c'est pas grave. Oh, meurt. Non, c'est le gars tout à l'heure en plus sur lequel j'ai tiré. Mort, let's go. Non, il a pris le médaillon. Je dois me barrer, il est là. Et 5 kills déjà, c'est très très bien. Par contre, le mec il était là. Hein. Est-ce que je vais pouvoir lui placer une petite balle de snipe? Je sais pas. Non, sur moi. Ok, 75. Là, tire. Voilà, je me shield un peu. Je me mets tranquillement bien. Je me re-shield. Top 14. En vrai, les gens ils sont un peu nuls en bronze. Ça explique peut-être pourquoi le niveau il est aussi bas. Non, franchement, on a très très bien joué. Oh les gars, on a trop de chance. Il y a Lille à côté de nous. Sur moi. Là. Ok, 116. Qui se barre avec le médaillon. En vrai, c'est le médaillon. Il est pas trop fort le médaillon. Il est un peu nulos mon pote. Eh, hein. Hey, tu fais quoi, Poseidon? Non, il a construit. Non, je suis mort. Non, top 10. J'ai trop mal joué. Bon les gars, c'est vraiment pas grave, au moins on a fait un bon top. J'ai pris 38%, je m'attendais pas à ça. Bon, petite addition à la strat que je vais faire. Plus c'est gros, plus ça passe. Et ouais, mais directement à mes proches du monde, hein, vous allez voir pourquoi. Donc les gars, le but c'est vraiment de prendre un maximum de bulles pour l'instant. Et ensuite on va grimper sur la montagne. Ok, voilà, un petit coup ou deux. Et ça y est, je suis full bois. Et je finis de détruire cette maison comme ça, je serai full métal. Je suis sur la crête de la statue. On va pouvoir commencer notre skybase en même temps que la zone, regardez. Vous savez ce qui est bien, c'est qu'on a commencé direct sur la statue. Et du coup on a directement la hauteur max. Pour l'instant je me suis toujours pas fait repérer, on est top 23. J'espère juste que je vais pouvoir gratter un ou deux kills. Donc regardez, il y a des gars juste en dessous de nous. Là, si je tire, je suis mort, clairement. Franchement, les gars, l'objectif c'est vraiment d'être top 10 avec ces strats. Ok, la zone se remet à se déplacer. On va y aller tout doucement. J'ai plus de bois, c'est vraiment dommage. Là, par contre, il y a deux médaillons qui sont côte à côte. Alors, je sais pas si j'aurai assez de bulles pour continuer la skybase jusqu'au bout, mais on va voir. Regardez, le médaillon est juste en dessous de moi. Et il m'a toujours pas repéré. Ça y est, je suis passé au métal. J'ai plus de briques, c'est dommage. Ok, j'y vais tout doucement. Ça me tire dessus. Non, mon plan est tombé à l'eau. Ils ont repéré la skybase. Bon, ça va. Les gens en quête sont pas trop débiles non plus. Oh, on va faire une skybase avec un rang. Oui, viens, viens. Alors j'ai plus de build. Non, personne me vole mon kill, d'accord. J'ai vraiment le plus gros des bâtards. Au moins j'ai fait un kill. J'allais pas team up en game de ranked en pleine vidéo, quoi. Non mais. Par contre, je vois que le médaillon se rapproche de moi. Je vais devoir me barrer. Ok, j'ai passé par là. Je vais essayer de semer le médaillon. Je vois que le médaillon, il me trace. Le médaillon, il veut vraiment me trouver. Oh, une voiture abandonnée. Let's go. On va pouvoir la prendre. En plus, il y a plein d'essence. Let's go. Vol plané. Et voilà. Ok, je continue à la skybase. Mais les gars, nous, on va jusqu'au bout de notre stratégie. Normalement, j'arrive dans une nouvelle zone dans 3, 2, 1. Parfait. Ok, c'est parti. Je vois qu'il y a eu un kill. On est top 10. Ça y est, let's go. Non, je viens de me faire détruire ma skybase. Les gars, c'est vraiment dommage. Ça m'a tiré dessus. Vous voyez là, juste là-bas, 18, 46, 64. Je suis full adrénaline. Donc là, je peux sprint comme je veux. Est-ce que je peux gratter une petite faille? On va pouvoir la prendre et on va tempo zone. Parce que vraiment, le but c'est vraiment de tempo zone. Hein. Vous savez quoi? Je vais même retenter une skybase ici. C'est bon. Allez, moi je suis le mec le plus fou de la terre. Vous me connaissez pas. Je commence à skybase. Top 5. Il loue. Non, ça me tire dessus. Évitons les dégâts de zone. S'il te plaît. Non, j'ai pris des sales dégâts de zone. Y a pas quelqu'un. Non, il est. Non, il m'a tiré dessus. Et les gars, mais c'est quand même fou parce que cette stratégie nous a fait prendre 15%. Ça y est, je suis top 40. Bon, la strat, si vous l'avez toujours pas compris, c'est qu'en gros, on va compter. Alors, ouais, ça va pas être très cool. Mais je pense que c'est là, bien sûr, va nous rapporter un maximum de pourcentage. Regardez, je me mets sur la petite bordure et je suis le moins cramé ici. Du coup, on va voir ce que ça donne au bout de quelques minutes. Ok, bon, du coup, ça y est, la zone a fini. Et bon, je m'y attendais, mais je suis pas du tout dans la zone. On va aller décaler tranquillement. Est-ce qu'on peut peut-être aller gratter le bunker? Je sais pas. Hein. Et y a personne, parfait. Let's go, franchement. Le bunker est à moi. Je peux encore mieux me stuff que tout à l'heure. Oh là là, franchement, les gars, on est très très bien. Le but du compage, c'est vraiment pas
pas de se faire opérer, du coup on va se déplacer en même temps que la zone. Regardez, la zone elle arrive, on va faire une course avec elle. J'espère qu'on va pouvoir trouver un endroit safe pour camper. J'ai peur qu'il y ait des gens malheureusement à Fencing Field. Par contre, je viens de me rendre compte qu'en vrai les voitures ça fait max de bruit hein. Pour camper c'est vraiment pas pratique. À part si t'es statique évidemment. Voilà, et là on va camper pour attendre que la zone arrive. Ok, c'est parti, ça recommence dans 10 secondes, vite. Regardez, on a quand même gratté le top 14 hein les gars, juste en campant, en faisant rien, j'ai fait aucun kill, j'ai rien fait. Je vois qu'il y a le médaillon juste proche de là-bas, donc on va essayer vraiment de pas se faire repérer par le médaillon. Comment cela joue ninja. Ok, je bouge mais je suis obligé les gars, je suis obligé. Non mais la poule elle me rattrape. Non mais je t'ai pas tiré dessus, pourquoi tu veux me picorer? Dégage Wig, putain. Les buissons, on le rappelle, c'est le meilleur truc pour camper. Ok, c'est bon, je suis au bord de la zone. J'ai une minute de répit. Ok, la zone elle arrive dans 6 secondes les gars, et je vois que le médaillon est toujours aussi proche d'ici. Ok, la zone là par contre elle va plus vite, je vais devoir marcher, c'est obligatoire. Je vois que par contre ça faille juste ici en espérant que le mec ne vienne pas sur nous. On va se placer directement dans le petit buisson juste ici aussi. Franchement les buissons dans ce game c'est mes meilleurs amis. Allez c'est bon, elle arrive, il faut que je me déplace, c'est parti, let's go. La zone ici c'est mon meilleur ami autant que le buisson. Ok, je me shield et là je me barre directement. On va essayer de se rapprocher de la zone parce que là j'avoue que la zone elle va beaucoup plus vite hein. Là on va devoir vraiment arrêter de frôler la zone hein. En plus j'ai plus de vie les gars, j'ai vraiment plus de vie. Ok, je me barre directement, je vois que le médaillon il se rapproche de moi hein. Oh le petit buisson, je vous avais dit que ça allait être mon meilleur ami. Oh let's go, des grenades de choc au moment parfait où j'en ai besoin. On va essayer de se placer dans la zone et on va mettre les petits buissons. Apparemment les gens ils veulent rien lâcher ce game hein, on est top 9. Allez, je calme mon petit buisson ici. Voilà, et là je campe. Et regardez, ils sont juste sur le pont. Par contre, il faut que je fasse gaffe hein, j'ai 100 shield mais j'ai 20 de vie, donc la zone là c'est impossible, je ne dois plus rentrer dessus sinon je vais crever. Oh là là les gars, top 5. Je vois qu'un gars là, regardez, il rush hein. Non, je vois qu'un gars qui s'épouse juste ici. Il me reste 11 de vie, je vais devoir utiliser les ailes, c'est parti les gars. Je vais devoir essayer de tempo un peu elle directement en l'air, en espérant qu'il ne crame pas direct. La zone se déplace tranquillement. Ça va, c'est serré mais on est bien. Allez, pose-toi mon ref, mets un petit buisson. J'ai réussi à passer mon buisson comme ça, je vais pouvoir tempo vite fait. J'espère que les gens ils vont réussir à se tuer parce que là franchement. Ok, il y a un mec qui vient de tuer au snipe. Parfait, par contre la zone elle arrive. Allez, je me barre direct mon pote. Me tirez pas dessus. En vrai ça va les gars. J'essaye quelque chose les gars. Ok, 60, il est plus dans la zone, c'est parfait. Là on va essayer de utiliser tranquillement mon dernier dash. Non. Ok, 103. Oh, 1. Vite, il faut que je me décale. Ok, je vois qu'il se décale aussi. 26. Ok, je prends la hauteur, je garde la hauteur. Non, faut vraiment que je ne rentre pas dans la zone les gars. Non, je suis mort top 3. Mais la bonne nouvelle, c'est que je passe enfin diamant 1. Ok, bon, la nouvelle strat commence directement. Je vais devoir trouver un coin d'eau tranquillou pilou pour pouvoir pêcher. Et je vois qu'il y a des gars juste ici. On va essayer d'aller gratter les 3 coffres là. Il faut aussi que je trouve une canne à pêche. Je pense que là, vous commencez à comprendre pourquoi. Ok, les petites ailes, let's go. Il sait pas encore qu'il est mort, mais tu es déjà mort, mon ref. Hop. Non, il a volé. Mais prends ta balle. Ok, 27, c'est parfait. J'ai réussi à gratter des petits dégâts. En plus, regardez, c'est un coin parfait. C'est un coin de pêcheur. Il y a des cannes à pêche. Voilà, on va pouvoir les gratter des cannes à pêche. Il a regardé le nombre de points de pêche, mais je pouvais pas rêver de mieux là. Il y a un pack pour des. Allez, j'ai la zone. Ok, je continue de pêcher un peu. Je viens de pêcher un nouveau poisson. Ça me tire dessus. Là, je vais devoir prendre les poissons. Voilà, je prends les poissons. Je me swing directement avec. Un gars, il y a un gars. Vite, je me barre. Allez, je me casse. De toute façon, j'ai la canne à pêche. Une peut rien contre moi. Je crois qu'il est resté là-bas. Hein. Ok, là, il y a le petit pad pour pouvoir décaler. Et maintenant, il faut que je trouve directement des points d'eau. En vrai, là, par contre, c'est dommage. Hein, j'en croise pas tellement. Les gars, j'en vois aucun. Ils sont passés où tous les points de poisson là? Ils ont vu que je commençais à pêcher. Ils se sont dit non, mais tiens, mais moi, je me barre. Je suis un poisson, mais j'ai pas envie de me faire prendre. Bon, en attendant, je vais quand même prendre un peu de bulles parce que vraiment, ça va m'être utile un peu plus tard, je pense. Et bah, je pense qu'on va directement partir à la main hein. S'il y a aucun poids de pêche, bah autant pêcher directement. Là j'ai une touche, parfait. Encore du frottin, on se part. Au moins j'aurai un max de frottin, ça c'est déjà bien. Je vais lâcher la petite ailleurs parce que je vais pas en avoir besoin les gars. Le but c'est vraiment pas de fight. Là on va essayer de rouler la zone tout ça, puis ensuite on va rentrer dans la zone. Bon, je vais pas vous résumer tout ce que je pêche, mais vous allez voir comment on va survivre juste après. Regardez là, je commence à avoir un max de poissons. Allez, vous rendez pas compte, ils sont 13 là, ils sont encore en train de se battre et moi je suis tranquillement là en train de pêcher des frottins. La zone est encore archi grande, j'espère juste que vraiment ils vont essayer de mettre la zone de mon côté. C'est la strat où j'ai le plus de chances de faire top 2 ou top 1. Sachant qu'en plus le top 1 rapporte beaucoup de pourcentage, ça pourrait être très bien. J'ai pas la zone, c'est dommage. Ah ça y est, la zone elle arrive, vite. Ah les gars, ça y est, je suis enfin obligé de retourner dans la zone. Je pense que je peux pas faire mieux que ça, ils sont toujours en 8. Regarde, je me prends un petit frottin, ça m'a rapporté assez de vie, je crois, j'ai pas compté. Allez, là je vais pouvoir lâcher les ailes, de toute façon j'ai plus besoin des ailes. Je vais prendre un maximum de poissons, on va essayer de stocker les poissons. Là je mange les petits frottins. On va continuer aussi à pêcher un peu, ça serait bien. Franchement, pour le coup, je trouve qu'on est très très bien quand même. Hein. Par contre, la zone elle va commencer à faire plus de dégâts, va falloir qu'on se grouille quand même. Allez, là ça devient vraiment très intensif en fin de game. On va essayer vraiment de gratter le top 2, hein. Regardez là dans la zone où ils sont. Non, je viens d'enlever ma canne à pêche, non. Ok, nouveau kill. Let's go, je gratte un dernier poisson. Je peux me soigner tranquillement. 5 de dégâts, vous vous rendez pas compte, ça fait mal. Voilà, je vais essayer de continuer à pêcher, ça serait bien aussi. 21 secondes avant la nouvelle zone. Oh, j'espère qu'ils vont quand même essayer de se grouiller, de se tuer. Ok, vite, 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 il faut que je me soigne. Il me restait 10 de vie. Ça commence à devenir très très chaud, vous vous rendez pas compte. Ah, vite, 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 non, top 5. Mais au moins, on a pris 12%, donc on va pouvoir enchaîner sur la prochaine strat. Pour le coup, c'est aussi la dernière strat et la strat en laquelle j'ai la moins confiance. Parce qu'elle consiste juste à prendre uniquement du soin. Non, en gros, pour expliquer un peu plus,
le but c'est que je ne fais aucun dégât. Là, regardez, il y a déjà 3 barrels juste ici. Là, j'ai pris le shield. Là, je prends le soin. Je vois que je vais pouvoir pêcher. Donc, en vrai, c'est bien parce que la pêche, c'est pas interdit dans ce défi. Ok, j'ai la zone. Je suis tranquillement bien passé. Par contre, ce coin de pêche, il est éternel ou quoi? Let's go. Il y a une moto juste en haut. Je l'ai vu. Regardez, vraiment, ils veulent vraiment que je prenne des armes. Mais non, je vais pas prendre l'arme, frérot. Je ne veux pas d'armes. Ok, il y a des tirs dans la direction nord-ouest. On va faire gaffe quand même. Il y a aussi des tirs là-bas. Non, mais les gars, il y a des tirs de tous les côtés. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah non, mais ça tire. Hein. Voilà, chez la canne à pêche, ça sert à rien de les stocker. On va essayer de se full bois, se full truc que vous voulez. Ensuite, je vais me planquer sous la baraque. Je pense que ça peut être une bonne idée, surtout qu'on a la zone. Regarde, on est très très bien. Je vois qu'on a vraiment utilisé beaucoup de strats passives dans cette vidéo. Hein. Si vous voulez une partie 2 où on utilise des strats beaucoup plus agressifs, dites-le moi, même si je suis un peu nul. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, ça serait incroyable. On va pouvoir directement aller regarder dans la maison s'il y a quelque chose. Et là, le meilleur truc à faire, c'est de se planquer ici. Hein. Je suis pile au milieu de la zone, je vais pouvoir camper ici. Je suis trop content. Mais je suis encore dans la zone, mais c'est une dinguerie, les gars. En plus, on est top 11. Non, franchement, on a tout pour faire un bon top. Il y a un gars juste au-dessus du pont. C'est impossible qu'il m'ait vu. Non, les gars, c'est trop injuste pour eux. Moi, je me planque tranquillement, alors que eux, ils retardent. Bon, en vrai, je m'ennuie un peu. Ah, je suis plus dans la zone. Je suis presque dans la zone. Là, par contre, les gars, si je bouge, je suis mort. Il y a 2 médaillons qui m'entourent. Ça y est, la zone me consume. Ok, je prends 2 dégâts par 2 dégâts. En vrai, ça va. Mais non, mais je suis trop con. Top 5, juste parce que j'ai oublié de me soigner.